Salut à tous, bienvenue bienvenue dans Sans Filet. On est ravis, heureux, vous pouvez pas savoir, bah oui. Vous retrouver. C'était long, le temps était trop long. Vous avez rendez-vous donc avec votre rendez-vous. On a perdu les bonnes habitudes de l'ancien. Vous avez rendez-vous avec votre rendez-vous. Super. Incontournable, tennis sur Winamax, c'est Sans Filet avec Benoît Mélin et Julien Pichny. On va commencer par saluer Benoît Mélin. Coucou! Alors, mais moi j'étais en dépression. Voilà, toute la semaine, son tennis, moi, j'aime pas ça du tout. Ah, pas du tout. On est là, on est là avec un très bel invité. Ah oui. On va le dire après avoir présenté Julien Pichny. Bonjour. Ah non, mais sachez quand même, c'est une émission spéciale bilan de la saison. On va recevoir Gilles Cervara dans un instant. Pour parler de cette magnifique saison 2020, en tout cas très spéciale, mais tout aussi sublime. On va se demander quels sont les principaux enseignements de l'année. On ne va pas se projeter sur 2021. Hein. Ah non. D'accord. Ce sera le thème de l'émission du 10 décembre. Et on ne parlera pas non plus des Français. Très peu, parce qu'on quoi. Va leur très consacrer peu, oui. une émission entière la semaine prochaine. Ouais. D'accord. Donc là, on fait vraiment le bilan de la saison. Oh, peut-être qu'avec Gilles, on pourra parler quand même des peut-être. Ambitions 2021 de Daniel. Oui. Un tout petit peu. Oui. Comme ça, s'il te plaît. Hein, 30 secondes. Chef, 30 secondes. Chef. On pourra oui. chef. On va saluer tous ceux qui sont présents sur le chat. Winamax, salut à vous. Il y a Pigeon Blanc d'ailleurs. Salut Pigeon. Et salut à vous sur le chat YouTube. Vous êtes déjà très nombreux. Merci, merci pour votre fidélité. Bah je ne oui. dirai jamais assez. Tout le monde nous attendait. C'est génial, Marie, parce qu'il n'y a pas de tournoi et tout le monde mais vient. Mais on adore, c'est ça qu'on adore. Parce qu'on passe un bon moment ensemble. Oui, parce que c'est une période difficile, parce qu'il n'y a pas de tennis et on a besoin d'être entre nous pour que ça se passe mieux. Oui, d'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour vous dire que pour l'Open d'Australie, pour l'instant, c'est pas du tout. Oui. Alors, peut-être que Gilles Cervara, il aura peut-être des infos un peu plus fraîches. Mais alors, apparemment, ça pourrait commencer l'Open d'Australie. Alors, il n'y aura pas d'ATP Cup, ça c'est sûr et certain, il n'y aura pas d'ATP Cup. On attend encore une fois la décision du gouvernement australien pour savoir si oui ou non il permettrait aux joueurs qui vont se retrouver en quarantaine de pouvoir quand même taper dans une balle et s'entraîner. Parce que là, normalement, si tu es en quarantaine, tu n'as pas le droit de sortir. Donc, ils essayent de voir si c'est possible ou pas. C'est en tractation pour l'instant. Et donc, l'Open d'Australie pourrait se jouer une semaine après la date prévue, qui était, je crois, le 18 janvier, ou peut-être début février. Mais ça fait depuis le mois de mars. Craig Taylor dit ça va être dur, on va annuler. On vous dit tout. C'est d'un bordel, mais attendons voilà les dates officielles et puis on verra bien. Bah, ouais. Avant d'aller voir Gilles, on va surtout vous dire aussi qu'on va faire gagner de magnifiques bouquins aujourd'hui. Les miens? Non, pas les tiens. Ah, non. Des bouquins vraiment sublimes. Nous avons l'auteur, d'ailleurs, dans cette émission. Julien Pichney, présente-nous le bouquin que nous allons faire gagner deux fois. Eh bien, voici, vous connaissez tous, cher Winami, l'année du tennis. Hein. C'est Jean Couvercel qui avait lancé ça en 79. C'est ah ouais c'est si vieux que ça? C'est vieux, c'est vieux. Mais il y en a plein qui les collectionnent. C'est l'année du tennis, donc les photos marquantes de l'année. Ah, moi, je les ai. Les résultats, les grands chelems, les tableaux, les trucs, et puis tes textes, on revient là-dessus, sur les grands chelems, enfin les trois grands chelems, parce qu'il n'y a pas Wimbledon, il y a quand même une photo de Wimbledon avec les tribunes vides, parce que c'était quand même... Mais c'est toi maintenant qui écris les textes Oui, depuis l'année dernière déjà. Ouais, mais attends, c'était Jean Couvercel avant. Ah oui, mais Jean, il se repose là, regarde. Voilà, ça, c'est, voilà des photos, une des photos de l'année, Tim qui s'allonge sur le central de l'US Open moi, sans un bruit. Photo de l'année. Oui, ah mais regardez, parce que bon, il n'y a pas que des photos, il y a aussi quand même, tu vois, il y a du texte, parce que la piche quand même a essayé de travailler un évidemment, peu. Évidemment, il y a Kyrgios. Et il a quand même réussi à nous mettre du Nick Kyrgios. Il est là, ton Rafa, regarde. Il est là, ton Rafa. Et il y a Daniil, tiens, si Gilles y regarde, tu vois, il y a Daniil, il est là, avec un très beau geste en coup droit. Ouais. On va tout de suite, juste avant, oui. Non, mais voilà, et Antoine Couvercel, qui est le fils de Jean, créateur de Tennis Magazine, et créateur de cette année du tennis, qui s'appelle maintenant Tennis 2020. Enfin, il fait des super photos, et voilà. Tu as dit quel éditeur? Il faut toujours... Talent Sport, mais on s'est posé la question avec Emmanuel Leroux de Talent Sport, de savoir si on faisait encore cette année ou pas l'année du tennis, parce que... Il faut faire toutes les années, Bah oui, mais arrivé le mois d'avril, mai, tout ça, il n'y a rien, la reprise qui est repoussée sans arrêt, on s'est vraiment demandé jusqu'au mois de juillet-août si on allait le faire, et puis finalement on s'est dit qu'il fallait le faire, perpétuer le temps. Bon alors, c'est quoi Nos Winamis demandent comment les gagner, ces bouquins. Et oui, forcément. Eh bien, il y aura deux chances dans cette émission de gagner ce sublime bouquin que tout le monde s'arrache. La première sera en répondant à une question que nous allons poser tout
de suite, point d'exclamation quiz sur le chat. Winamax, mon cher Julien, la question est la suivante. Attention, alors, ça va durer 10 minutes. Elle concerne l'année 2020, évidemment. Quel est le joueur, pas la joueuse, hein, le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs ATP en simple en cette année 2020? Quel est le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs ATP? Pas besoin de dire le nombre de matchs, juste le nom de ce joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs ATP en simple en 2020. Moi, je voilà. sais. Et donc, on fera aussi gagner dans la partie de ping-pong. On va tout de suite aller voir quand même, parce que nos amis sont là aussi pour ça, Gilles Cervara, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous dans Sans filet. Salut Gilles, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va bien? Bonjour. Ouais. Ça va et toi? Ouais, vous avez la pêche, là, dis donc. Ah oui, bah, toujours. Oui, et nous, quand on parle tennis, tu sais bien. Ouais, je vois ça, j'entends ça. Merci en tout cas d'être avec nous dans Sans filet. Oui. Benoît, oui. petite question pour commencer à Gilles, ou je commence? Ça va Gilles? Bah, écoute, ça va bien. Voilà, j'ai posé ma question. Quelle question? Ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu voulais commencer par quoi? Bah, parler déjà de la, peut-être de la, du titre au Masters de Daniil Medvedev. Ouais, oh, je sais pas, non. Tu sais quoi Gilles, on va y aller, on va y aller crescendo. On va y Vas-y, fais comme tu le sens, là. T'as l'habitude, moi je te suis. Là. Ouais, parce que j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans, dans l'hypophyse du Daniil Medvedev. Et toi, t'as réussi, donc ça fait quand même pas mal de temps que t'es avec lui maintenant. Attention, il y a des choses que je pourrais pas dire quand même. C'est toi qui nous raconte. Donc on part bien évidemment sur le Masters, hein, avec ce premier match, Zverev. La finale de Bercy, une semaine avant. Ouais. Les 6 premiers jeux sont complètement dingues. Tension de fou. Ouais, c'est fou. Comment vous l'aviez préparé ce match, tu vois? Est-ce que vous aviez tiré des enseignements de cette finale de Bercy? Est-ce que vous aviez mis en place quelque chose de tactique? Comment vous avez fait? Écoute, oui, forcément, on se resserre du match précédent. On s'attend à des ajustements du joueur, de l'adversaire, en se disant que bon, il va réfléchir à la façon dont le match s'est déroulé avec son équipe et regarder les différentes choses qu'il peut améliorer pour perturber Daniil et puis pour pouvoir gagner le match, quoi, tout simplement. Et puis donc ça c'est une partie de la préparation, et après évidemment il y a la préparation sur qui concerne ce que Daniil a à faire par rapport à ses caractéristiques, quoi. Et ben, est-ce que le fait d'avoir perdu les 3 matchs du Masters l'année d'avant, en 2019, est-ce que ça lui trottait un peu dans la tête ou pas du tout? Écoute, ça peut à certains moments venir en pensée. Maintenant, là, on est arrivé dans le tournoi tellement différemment de l'année dernière que c'est pas comparable en fait. Donc ça éloigne un petit peu les sentiments et l'expérience de l'année dernière. Et t'as pas eu peur toi? Parce qu'on rappelle, c'est le premier jeu de service, c'est Daniil Medvedev contre Zverev, et il se fait breaker d'entrée en faisant une double faute sur le dernier point. Exact, ouais, pas que forcément la double faute, mais tout le début du match, maintenant que tu m'en reparles, je me souviens que les 6 premiers jeux durent 42 minutes, ce qui est quand même exceptionnel. Okay. Enfin, exceptionnel, ce qui est long, très long, avec les 2 premiers jeux du match qui sont d'un niveau pas très élevé, avec des choses un peu surprenantes, notamment quand Daniil se fait breaker et il est mené 30-0 sur le service de Zverev, et là, Zverev fait 3 doubles fautes presque d'un débutant, quoi, en fait. À ce niveau-là, c'est du jamais vu, quoi, de faire des doubles comme ça. Et il remet en selle un peu Daniil avec ce débreak, en montrant quand même qu'il est fébrile, que sur des points importants il peut faire double faute. Donc tu as ça en tête et ça donne des signaux. Maintenant derrière, le match était dur, les échanges étaient longs, et Daniil a réussi à, dans ces moments-là quand c'est très dur sur ce match-là, à passer devant. Et tu sens que c'est un break qui est fait aussi bien dans le jeu que mentalement et que physiquement. Souvent, quand il y a ces moments durs, si le joueur arrive à passer devant ou à résister et à ne pas casser, tu sens qu'il prend un sérieux avantage sur l'adversaire. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Bercy aussi, quand il y a un jeu à un partout très très long que Daniil perd avec balle de break, mais il reste au même niveau, il ne descend pas, et c'est Zverev qui est le plus touché malgré le fait qu'il ait gagné ce jeu-là
au deuxième set. Et ça a un impact sur, sur la suite des matchs, quoi. On l'a senti d'entrée hein, dans ce match, on l'a senti très solide parce qu'on a effectivement ces 6 premiers jeux qui durent 40 minutes, c'est complètement fou. On les voit au bord de l'asphyxie, son bouche ouverte, tu dis mais comment ils vont finir? Et Daniil finit très très fort. Et on avait entendu hein, que vous aviez eu une grosse discussion avant Bercy. Ça a été répercuté dans la presse, notamment dans l'équipe, où apparemment tu lui avais fait comprendre que hey, oh, Pépère, tu vas nous enlever tes grains de terre battus que tu as dans ta tronche là, et qui t'ont mis en l'air, et il va falloir te changer ta mentalité. Parce que, quelle discussion vous aviez eue tous les deux à ce moment-là? Tu lui étais rentré dans l'art avant Bercy? Non, on ne s'est pas rentré dans l'art. Comme j'ai déjà expliqué, ce n'est pas trop ma façon de fonctionner avec Daniil, sauf par moments sur le court quand ça part un peu en vrille et que ça dépasse les bornes. Mais sinon, cette discussion, non, elle est au contraire, elle rentre dans un processus que j'ai senti se mettre, enfin, dans la mauvaise dynamique dans laquelle on était à ce moment-là, dans laquelle était plutôt Daniil. Je sentais qu'il y aurait un moment pour avoir un impact et un écho au travail qu'il fait sur le plan mental, et du coup, pouvoir introduire des mots et une discussion qui pouvaient le toucher au bon endroit et au bon moment. Et c'est ce qui s'est passé avant Bercy. C'était un lundi, je me souviens, il jouait le matin avec Raonic, qui jouera en demi-finale d'ailleurs. Et l'attitude, le comportement et la mentalité de Daniil sur le terrain me fait sentir que je me dis, bon là, si cet après-midi on repart sur le terrain comme c'était prévu, je me dis, ça sert à rien, on entretient une énergie qui amènera à rien, quoi. Je vois pas comment on peut sortir de là s'il se passe pas quelque chose, si on n'a pas une discussion qu'on n'avait pas eue parce que j'avais fait exprès de pas en placer une après le tournoi de Vienne. Et là, je sentais que qu'on arrivait au moment où il fallait, quoi. Et donc après l'entraînement, je lui propose de discuter dans les vestiaires. Et notamment, je commence par le fait de lui dire, écoute, Daniil, je pense que c'est judicieux si on ne va pas s'entraîner cet après-midi. Et là, il a une réaction de me dire, bah, pourquoi? Et ça m'a permis, là, à ce moment-là, de placer les billes que j'avais à placer pour le faire réagir, en fait, pour lui montrer ce qui dégageait, ce qui se passait et ce qui n'était pas bon. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent, il écoute et on discute et je pense que j'ai depuis un moment le mode d'emploi pour bien fonctionner avec lui, même si c'est jamais gagné évidemment, et c'est ce qui s'est passé. Et alors à ce moment-là, je sais que dans mes paroles, je lui dis que je sais, je vais pas tout dire hein, évidemment, je vais laisser des choses de côté que je peux pas dire, mais je lui dis en partie que je sais qu'il est capable de faire des grandes choses en ce moment, même si lui, quand je lui dis ça, je ne suis pas sûr qu'il s'en aperçoive, mais je le crois vraiment. Et je lui dis aussi que, par contre, s'il a cette mentalité-là, et c'est là où je ne rentrerai pas dans le détail, que s'il a cette mentalité-là, il peut se ramasser sévère, quoi. Et alors, quand je dis ça, je le crois vraiment, et quand il gagne Bercy et le Master, évidemment, je peux pas m'attendre que deux semaines après ou trois semaines après, on soit à la maison avec ces deux titres. Mais je suis pas surpris de ça. C'est connaissant Daniil et connaissant le fonctionnement de Daniil et le potentiel qu'il a, en regardant en arrière, je me dis que j'ai visé juste et que tout le travail qu'on a fait ça paye, et que oui, effectivement, cette discussion, elle a visé à l'endroit où il fallait. Mais je le répète, ça n'aurait pas été possible s'il n'y a pas un écho au travail qu'il fait en amont, qui est beaucoup plus profond et auquel il réagit, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, je sais que Julien Pichenet, on en parlait avant l'émission, il y a eu une image très étonnante. Après le titre, tu sais, à Bercy, bon, c'est gagné. Et avant la cérémonie de remise des prix, il y a Daniil qui vient à l'endroit où vous êtes, là, dans les gradins, là, juste derrière le court. Et vous êtes assis, tous les trois, toi, sa femme et lui, puis vous papotez. Mm-hmm. Mais vous parlez de quoi à ce moment-là ? C'est ça, on veut savoir. Franchement, désolé, j'ai pas de scoop, je m'en souviens plus. Dans l'émotion, je pense que
c'est juste de la joie, des sourires et je ne sais plus ce qui me sort. Franchement, je ne sais plus du tout ce qui me sort et je ne me souviens plus du tout du sujet de conversation à ce moment-là, vraiment. Mais ce qu'on a, ce qu'on est beaucoup à adorer, Gilles, c'est cette espèce de décontraction. Je n'ai pas vraiment de questions par rapport à ça, mais c'est juste une réflexion et tu réagiras. Moi, Medvedev, c'est un de mes joueurs préférés, je ne l'ai jamais caché ici. Et je l'aime d'autant plus qu'il y a cette espèce de sobriété quand il gagne des matchs importants. Moi, ça me touche énormément, j'adore ça. Peut-être que s'il se roulait par terre pendant 3 heures après chaque victoire, je l'aimerais un petit peu moins, mais bon, voilà. Et moi, je trouve ça incroyable. On sait d'où ça vient. Une fois, il était trop fatigué pour lever les bras. Il l'a raconté. Ouais. C'est resté un petit peu sa signature. Mais quand même, il ne suffit pas de le dire de le vouloir. Parce que quand on bat Nadal au Masters, c'est que Nadal a servi pour le match, c'est qu'on gagne après. Enfin, ça doit exploser. En plus, on sait qu'il est assez bouillant, qu'il est assez sanguin. C'est un énorme caractère. Donc, comment il fait pour maîtriser ses nerfs comme ça? Et quel regard tu portes, toi, sur cette sobriété? Je pense qu'en ce moment, il est rentré dans sa phase où sa célébration, c'est... Mais c'est génial. Franchement, c'est ça débile. D'accord, je trouve ça débile. Mais c'est lui et donc c'est lui. Il y a rien d'autre à dire que c'est sa façon de célébrer. Je pense pas que ça soit tout le temps comme ça, mais peut-être que je me trompe parce que dans le passé, même si c'est pas un grand expansif, quand il gagne, je me souviens quand il a gagné son premier titre à Sydney en 2018. Je me souviens que quelques jours avant, je lui avais dit. C'était un truc pour rigoler. Je lui dis, quand il mettait des points gagnants, je lui disais, tu fais comme si tu avais un pistolet dans la main et tu souffles au bout du truc. Et quand il avait gagné le tournoi, il s'était retourné vers moi, il avait fait ce signe avec sa raquette. Et donc, voilà. Et bon, là, en ce moment, il célèbre rien d'ailleurs. Ça me fait penser, et j'aurai une discussion avec Murray là-dessus, parce que j'ai appris qu'il avait parlé avec Gaël, mon fils, sur son Twitch. Là, ils font une émission en disant, hey, c'est incroyable. L'entraîneur de Medvedev, après un tournoi comme ça, il célèbre rien, c'est comme s'il avait gagné au premier tour d'un futur. Et ça me fait rire parce que j'ai envie de dire, ouais, il a raison, c'est exactement ce qui se passe, mais c'est pas parce que j'ai envie de pas réagir, c'est que Daniil ne célèbre pas. Et du coup, c'est une calibration avec lui. J'aimerais vraiment défier tout le monde d'être à ma place à ce moment-là, quand on voit le joueur qui gagne le Master et qui est là à aller vers son adversaire, et effectivement, comme s'il avait gagné au premier tour d'un futur, d'être dans les gradins et de pouvoir exprimer une joie. C'est très difficile, c'est quasiment impossible. Et pourtant, à l'intérieur, c'est comme si j'avais des chaises et que je jetais les chaises dans tous les sens en sautant sur les tables et tout. En fait, c'est ça que j'ai à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ce n'est pas possible vraiment de l'exprimer, en fait. Voilà. Bon, après, il joue Djoko, deuxième match au Masters, Djokovic, avec des premiers jeux complètement fous, avec des rallyes qui font 18, 20, 30, 30, 30 coups, enfin des trucs de malade, encore une fois. Tu sais quoi, je m'en souviens plus, mais j'ai mon cahier où je note tout. Et bah, tu sais, Benoît Mélin note tout aussi, Gilles. En fait, vous avez le même cahier. Mais c'est bien, souvent. Montre une page, pour voir le gribouillis. Fais voir ton gribouillis un peu. Alors attends, tu vois par exemple là c'est Medvedev premier tour contre Zverev. Ah génial. Génial. Ah ouais. Bon, c'est un peu indéchiffrable. Hein, mais et donc c'est... qu'est-ce que tu mets là-dedans? Je note parce que je retiens. Pour après les débriefings, c'est tellement diffus, je me souviens plus. Du coup, je suis obligé de tout noter, les idées qui me viennent pendant tout le match, et ce que je note, ce que je vois, etc. Et donc contre Djoko. Tu disais que c'était un match dur, je ne me souviens plus. Bah, les 7 premiers jeux, il y a des rallyes de dingue, mais vraiment de dingue. Et à 5 jeux à 3, fin du premier set, service Djokovic, qui fait 3 doubles fautes sur ce jeu-là et qui offre le premier set à Daniil. Est-ce que... Regarde, à 5-3, je mets merci Djoko. Ah ouais, tu vois. Non, mais c'est dingue. Là, je notais plus parce que j'étais concentré sur autre chose, du coup, je pouvais plus noter, mais je me souviens que je marque merci Djoko. Donc, effectivement, il a fait 3 doubles. Oui, mais après, tu vois, sur ce premier set, on a Daniil Medvedev qui fait que 6 fautes directes, avec 3 doubles fautes en plus sur les 6 fautes directes. Je crois qu'il fait une faute directe en coup droit qui avait été un peu fébrile sur Zverev, et là, qui a été parfait de bout en bout sur Djokovic. Et surtout, contrairement à ce qu'il avait fait contre Zverev, où il était collé dans les bâches en retour, là, la position de retour, elle a changé contre Djokovic. Ça aussi, ça, c'est quelque chose que vous mettez en place, ou c'est Daniil qui le fait au feeling pendant le match?
Non, non, il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on travaille, que je lui fais travailler de manière subtile, justement, pour qu'il puisse avoir ce genre de coup à disposition en match quand il en aura besoin, en fait. Et sur plein d'autres éléments de son jeu, c'est un petit peu la même chose. C'est du travail pour, ok, quand tu sentiras que t'en as besoin, parce que c'est lui qui joue, c'est lui qui sent, il a une telle sensation du jeu que ce genre de joueur, tu peux pas leur dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il sait quoi, il sait. Mais par contre, le jour où il a besoin de faire un truc qu'il a pas l'habitude de faire, il faut qu'il ait dans son répertoire pour pouvoir, se démerder dans cette situation-là. Et il te surprend quand il le fait ? Enfin, est-ce que tu trouves qu'il est devenu plus intelligent, là, depuis le retour du Covid, hein, même si on oublie la terre battue, il fait quand même... Non, ce n'est pas plus intelligent. Maintenant, par exemple, maintenant qu'il a l'habitude de jouer contre Nadal, contre Thiem, etc., il va mettre des... Je sais qu'il va mettre des stratégies payantes plus tôt dans le match, en fait. Alors qu'au début, quand il les joue les premières fois, il a toujours l'idée que faire ça ou ça, ça peut peut-être marcher. Mais en fin de compte, il se rend compte des limites de certaines façons de jouer et que ça peut lui jouer des tours. Et que les fois d'après, il a intégré que il faut mettre en place d'autres choses et plus tôt dans le match pour pouvoir leur poser des problèmes, quoi. Comment tu l'as trouvé, Djokovic ? Tu l'as trouvé étrange sur ce match ou pas, toi ? Ben, mentalement ? Oui et non. C'est-à-dire que non, parce que ça peut lui arriver. Oui, parce que c'est quand même le master. Maintenant, il montre qu'il est humain aussi. C'est difficile, en fait. C'est difficile à dire. Quel était son niveau de détermination en profondeur ? Est-ce qu'il était au maximum de son niveau de détermination ou pas, et est-ce que c'est ça qui explique qu'à un moment donné tu sens qu'il fait plus de fautes qu'à l'accoutumée? Maintenant, c'est aussi dû à la solidité de Daniil et ce que dégage Daniil. C'est tous ces paramètres, donc c'est une inconnue. Voilà, c'est une inconnue. Djoko, ça peut être une inconnue sur ce genre de choses. C'est pas le cas d'un Nadal où tu sais que même s'il joue pas bien, pour pouvoir le battre, tu es obligé de l'emmener très 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 loin pour gagner, quoi. Et au niveau inconnu, le match contre Diego Schwartzman, comment tu... Alors, t'as peur sur ce match? Comment ? T'as peur qu'il fasse un match de dingo et qu'il se fatigue pour rien ? Non, parce que ça, on en avait discuté évidemment avant le match. Mais par contre, les deux premiers jeux, tu te dis « Oh putain, fais chier, ça va durer 6 heures si tu commences comme ça. » Et du coup, Daniil, il s'en rend compte très vite. Et il arrive, sur ses jeux de service, c'est pas trop problématique parce qu'avec son service, il gagne les jeux. Je ne vais pas dire facilement, mais il peut les gagner facilement. Et sur les jeux de retour, à partir du moment où il break, là, je vois tous les jeux de retour, il commence à mettre que des brins et il a presque raison, mais il en met partout et ça n'a ni queue ni tête, en fait. C'est-à-dire que dès le retour, il envoie et d'un côté, c'est bien parce qu'il va s'économiser, mais en même temps, d'un autre côté, il n'y a pas de fil conducteur. Et il s'en rend compte aussi. Donc, il fait évoluer en cours de match le fait qu'au retour, peut-être qu'il faudrait bien jouer au moins le début de jeu de retour pour voir s'il rentre bien dans le jeu pour que ça vaille le coup de le jouer à fond pour breaker, quoi, en fait. Parce que si tu joues tous les jeux comme ça et que tu en mets partout dès le retour, tu n'as aucune chance de breaker, quoi. Ou alors, il faut un coup de cul. Mais ce n'était pas ce qui se passait. Donc, il a ajusté un petit peu sa façon de jouer pour s'économiser et en même temps pour pouvoir prendre le service de Schwartzman et après s'en sortir avec son service, quoi, en fait. Bah heureusement qu'il s'est économisé parce que après le but c'était pas de se mettre chiffon en 3 heures en sachant que tu joues Nadal derrière, quoi. Et alors bon, le Rafa de dingue, le match de dingue, plus de 3,5 km sur le court, couché 23 heures, Nadal qui sert pour le match à 6-3-5-4, tout d'un coup Daniil qui nous déclare après match que
C'est là qu'il s'est dit, merde, je suis beaucoup trop attentiste, il faut que j'essaye d'être plus agressif, de venir au filet. Moi, il m'a scié, quoi. 19 montées au filet, 12 points. Ça, encore une fois, c'était mis en place, tout ça, ou c'est lui ouais, qui... Oui, bien sûr. Ben, ça, de toute façon, c'est contre Nadal... c'est comment dire au niveau de la préparation évidemment en regardant les matchs qu'il avait fait contre lui c'était un élément déterminant du jeu qui devait produire. Après il y a comment dire il y a ce qui change à 5-4 pour moi le match il se joue même avant c'est même dès le premier set je trouve que Daniil a la main sur le match dès le début. D'ailleurs, l'entraîneur de Nadal, à la fin, il me disait « Franchement, c'est un miracle que Nadal serve pour le match. » Parce que pour moi, Daniil avait la main sur tout le match. Simplement, à l'inverse de d'habitude, il faisait des fautes cons pour rien, en fait. Alors que c'est vraiment sa force. Et il se retrouve mené un set. Je parle déjà du premier set. Il se retrouve mené un set, pour moi, un peu contre le cours du jeu. Contre le cours de ce qu'il était en train de faire. Parce que... il était quand même déjà offensif, déjà il cherchait à mettre en place certaines choses. Et bah, excuse-moi Gilles, mais il ne foire que son quatrième jeu de service où il ne passe pas une première et il se fait breaker. Exactement, et en plus, il foire son jeu de service, mais même avant. Parce que quand tu vois dans le jeu, il domine, il a des balles de break, je crois, et il les manque sur des erreurs bêtes en fait. Il n'est pas contraint par Nadal à faire ses fautes, c'est vraiment lui qui les fait. Et dans le deuxième set, il a une balle de double break, une balle de 5-1. Exact. Mais par exemple, le jeu de le break qui concède au premier set, là c'est terrible parce qu'il y a changement de balle. Il passe pas une première. Nadal en met beaucoup plus et lui, il sent pas ça à ce moment-là. Il résiste pas assez bien à l'énergie supplémentaire que Nadal met, que lui aurait dû remettre en réponse à ce que Nadal était en train de mettre. Et il se fait bouffer. Tout simplement, il se fait bouffer par Nadal sur ce jeu-là qui fait. Pour le coup, c'est lui qui fait le hold-up, à mon sens, dans ce set et dans ce jeu. Et bravo à lui, hein, il sent le truc. Et au contraire, Daniil, lui, quand je reviens sur ses fautes bêtes qui lui coûtent, pour moi, le premier set. Et pendant tout le match, parce qu'en connaissant Daniil sur certaines choses, et ça va être difficile de tout expliquer là, je lui dis dans le set, en voyant les fautes qu'il fait, je lui dis « change de raquette ». Change de raquette. Parce que je sais que par moment, il fait des fautes ils sont connes et ils seront pour lui la raison c'est souvent la raquette etc. Et là pour moi il y a pas grand chose à lui donner, c'est change la raquette, tu vas avoir d'autres sensations et tu peux sentir d'autres choses. Et il change de raquette à 5-4 au deuxième et il change de style de jeu et il change aussi d'énergie et il break à ce moment là bon, c'est un coup de c'est plein de choses, je dis pas que c'est que ça, mais je sais que quand il fait ce genre de faute, parfois, c'est d'apporter, ça peut être très, très con, mais dans sa psychologie, dans sa façon dont il réagit, c'est pire, par exemple, de lui dire « fais plus comme ci ou comme ça ». Parfois, il me sort « ouais, mais Gilles, c'est la raquette, etc. » Je fais bah, « ok, bah, si tu me dis que c'est la raquette, pourquoi tu restes avec cette raquette ? Juste change de raquette, tout simplement. On va pas se prendre la tête sur des choses qui pour toi, n'ont pas de raison. Donc, prends la raquette, change, et tu verras que ça ira mieux. » Et souvent, c'est le cas, voilà. Et donc, ils finissent 23h. À quelle heure il s'est couché ? Et est-ce que tu es inquiet pour la finale qui va jouer pas longtemps après quoi ? Non, pas trop. Franchement, on a fait en sorte d'accélérer le processus après le match pour qu'il se couche le plus tôt possible et pour être prêt après. Ensuite, ton objectif est tellement, et ta détermination, elle dépasse ce genre de choses. Pour moi, c'est, si tu te focalises sur ces petits détails-là, c'est sûr que ça peut te perturber, ça peut donner une raison pour imaginer ou sentir que tu es un peu moins bien. Si tu es capable de te concentrer sur l'objectif qui est plus grand que tout ça, c'est un détail, quoi. Franchement, c'est un détail. Et comment vous abordez la finale ? Comment il est avant la finale ? Il est bien ? Comment il est ? Oui, bien, il est bien. Je le sens dans son énergie et le connaissant. Je sais qu'en étant arrivé là, son seul but, c'est de gagner, quoi. Donc, ça peut paraître banal, ça. Mais chez Daniil, c'est un moteur qui, encore une fois, qui va mettre en place, qui va déclencher tout ce qu'il peut faire
pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, qu'il a de plus en plus d'expérience, notamment de jouer ces joueurs-là, c'est pas une découverte. Donc, de jouer ces mecs-là et de jouer un team qui pour moi est vraiment quelqu'un qui est vraiment très très fort. Il est vraiment, ouais. Oh, c'est très très lourd ce qu'il fait. Pour battre un mec comme ça, c'est vraiment difficile. Est-ce que vous saviez qu'il avait, enfin, est-ce que c'était pour vous un facteur important de savoir qu'il avait 2h15 de plus dans les pattes depuis le début du Masters? Est-ce que vous franchement, saviez... non, encore une fois, tu non, tu penses pas à ça. Je pense pas à ça. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y pense. En tout cas, moi, quand on en discute, et dans mon discours, c'est pas des choses sur le, c'est du détail. Et de toute façon, il faut faire avec. De toute façon, ça ne peut pas être une raison, ça ne peut pas être un élément significatif qui, avant le match, dans ta préparation, qui peut, comment dire, réduire ta qualité ou ton efficacité ou quoi que ce soit. Alors que après, si ça s'est pas bien passé, ça puisse être un facteur. Effectivement, qui a pu compter, ça peut être le cas, mais en tout cas, avant, tu fais tout pour que ce genre de choses ne soit pas une raison significative pour rentrer dans ta tête ou dans ta préparation un élément de fragilité ou de faiblesse face à ton adversaire. En tout cas, moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses, et au contraire, c'est un élément de plus pour être... qui te challenge encore plus pour être encore plus fort, quoi. Ah bah tiens, tu vas gagner avec ça en plus, tu vois. T'es passé encore plus de temps que ton adversaire sur le terrain, bah, tu vas être encore plus fort, au-dessus de ça pour être plus fort. Bon, Gilles, tu sais qu'on a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement en direct. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc j'attendais que Benoît termine son interrogatoire très précis. Enfin, j'ai pas fini. Hein. Et donc, du coup, voilà, on va faire très vite dans les réponses, vas-y, vas-y. Mais pour faire participer aussi ceux qui nous regardent. On a Olivier qui nous demande quel est le joueur que craignait le plus Daniil au Masters. Peut-être aucun, il rajoute. Lequel qui y avait déjà Il y avait du beau monde. Nadal, Djokovic. Je dirais que Team Nadal, tant que tu les as pas battus, forcément tu les crains un peu plus. Voilà, je dirais ces deux. On a Loïc qui nous demande quels sont les points à travailler pour Daniil pour être le meilleur joueur du monde. Ouais, et c'est plein de petits détails. Il y en a tellement, tellement de petits détails. Là, franchement, tout ce qu'il a produit, ce qu'il a mis en place pendant sa demi et sa finale sont des éléments de travail que moi j'ai en tête depuis 3 ans que je travaille avec lui et qui se travaille vraiment en continu en fait. C'est difficile de dire tu vas travailler ça de manière, que tu sélectionnes ça plus qu'un autre élément. Et sur lequel tu vas te rester par exemple 2 mois et laisser d'autres choses de côté. Moi je travaille plutôt sur quelque chose de global en apportant des touches en continu en fait. Voilà, je fonctionne pas forcément sauf sur vraiment des aspects physiques, mais sur le tennis ça va être plutôt sur je garde sa structure de jeu dans laquelle il est fort. Et ensuite je greffe toutes ces petites choses en continu tout au long de l'année pour que ça devienne quelque chose de fort au long terme en fait. Voilà. Quand il était joué en demi-finale de l'US Open, Tim et Daniil, 3-7, très accroché avec 2 tie-breaks pour finir, j'imagine que vous attendiez encore une fois à ce qu'il coince Daniil sur la diagonale de revers slicé, balle très basse pour essayer de neutraliser le point. Moi, il m'a scié sur toutes les réponses qu'il apportait à ce que proposait Tim. Ça aussi, vous le travaillez ça aussi tout le temps, enfin, parce qu'il fait quand même 2 mètres pour se baisser à chaque fois. Ouais, mais tu vois que c'est pas si ça le gêne pas tant que ça dans la réalisation, dans la réponse au coup, au slice, tu te rends compte que Daniil, ça le gêne pas tant que ça en fait. C'est plus l'utilisation du slice qui va être faite dans un schéma qui peut effectivement faire que l'adversaire peut contrecarrer le jeu de Daniil en fait. Mais le slice en lui-même va pas, ça va abaisser, on va dire, l'efficacité du revers de Daniil, mais comme n'importe qui en fait, si le slice est bien réalisé évidemment. Mais dans le fait de jouer le slice, ça ne va pas
emmerder tant que ça, Daniel. C'est encore des petites nuances, en fait, sur l'utilisation de certains coups et dans la mise en place d'un coup dans un schéma. Parce que c'est une chose de faire un coup, mais ça dépend comment tu l'utilises dans un schéma de jeu, en fait. On va finir avec une petite question de Quentin. Le service à la cuillère, qu'en penses-tu, Gilles? Ah, c'était énorme. Voilà, il l'a fait quand, déjà? Premier match, ouais. Non, sur Zverev? Ouais. J'ai déconnecté depuis, je me souviens plus de rien. Ça doit être noté sur le cahier. Mais t'as... C'est sûr. Mais je me souviens m'être noté. C'est sur Zverev, c'est sûr? Ouais, en tout cas, c'était son premier match. Ouais. Donc oui. Ah, putain, désolé. Mais si, t'as le Zverev que tu sais qui est collé dans les bâches en train d'attendre un pruneau, et puis hop, il lui fait une espèce de. Voilà, le petit salade. Tu te souviens qu'il a gagné le Masters, hein, David? Oui, c'est vrai, exact. Il a gagné. Mais non, c'est vrai. Non, ce que j'en pense, ben. Si c'est utilisé à bon escient, là, parce que ah oui, je me souviens quand Daniel m'en reparle. Ah oui, exact. Maintenant, ça y est, je m'en souviens parce qu'au changement de côté, je me souviens de lui glisser « Utilise tous tes coups et toute ton intelligence », je me souviens, à ce moment-là du match. Et je me souviens que quand tu l'utilises, je me dis « Putain, je n'avais pas pensé à celui-ci ». Et effectivement, bah, il gagne le point, donc bien joué. Et Daniel, il le fait encore une fois parce qu'il sent qu'à ce moment-là, ça peut être stratégique. Et effectivement, ça l'a été. Mais par fond, compte pas facile parce que les deux passings qu'il a à faire derrière, ils sont vraiment pas faciles à faire. Parce qu'il a plein de temps, il a du temps pour réfléchir. La balle, elle arrive doucement. Il a bien géré au niveau sérénité. Et du coup, il a utilisé cette situation dans laquelle il gère bien au niveau de sa sérénité et tout. Il se retrouve en position de force. Donc, ouais. Bien joué. Quoi. Toujours est-il que tu as fait du coaching. Pour résumer, j'en pense que je ne suis pas un grand fan parce que je suis plus des années 90 où ça ne se faisait pas vraiment. Mais si c'est bien utilisé de temps en temps, c'est un coup comme un autre. Voilà, c'est un coup comme un autre. Est-ce que, après, on te libère, mais voilà, pour 2021, comment vous allez fonctionner? Je crois que vous ne travaillez plus au Elite Tennis Center. Tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Je vais être bref là-dessus. C'est une histoire qui s'arrête. J'ai co-créé ce centre avec JR. On a fait quelque chose et on a développé ce centre. Ça a été une super aventure. Maintenant, c'est une histoire qui a pris fin pour différentes raisons et ça fait quelques mois que c'est terminé. Et voilà, nous, après, l'équipe de Daniel reste inchangée. On était un peu, de toute manière, un peu dissociés de ça. Et on continue comme on a fonctionné depuis 3 ans, en fait. Voilà. Et 2021, parce que c'est quoi, là, le quatrième mondial, c'est quoi le but du jeu, là? Un grand chelem. Vous allez où, les loulous? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie que je réponde? Un grand chelem. Bah oui. Il nous a dit qu'il voulait gagner Wimbledon, alors on attend Wimbledon. C'est quoi? Tu sais quoi? Bah alors là, moi, j'avoue que je sais plus. Je sais plus avec lui, je sais plus. T'as l'impression qu'il n'y a plus de limite. Parce qu'en fait, c'est une plaie à jouer, il rate rien en revers, il perd pas de terrain, il peut bien jouer partout, ce gars-là. Ouais. Non, c'est sûr. Bon, sur Terre, il y a des progrès à faire. Mais bon, ça, c'est autre chose. N'en parlons pas au niveau de... des objectifs, c'est de, effectivement, quand il gagne des... Ce qu'il vient faire, en fait, ce qu'il vient de faire, là, les deux dernières semaines, pour moi, c'est clair qu'il a passé un échelon. Alors, dans tous les domaines, mais c'est vrai que sur l'aspect, je vais dire, mental, pour moi, en tout cas, j'ai senti des choses qu'il a mises à un niveau vraiment supérieur et ça s'est répercuté dans son tennis et dans sa capacité de battre les meilleurs joueurs du monde. Donc, quand tu bats ces mecs-là, et que ce n'est pas la première fois non plus, je veux dire, c'est depuis 2 ans, Daniel montre qu'il est quand même capable de grandes choses. Forcément, ça te projette vers la volonté de gagner, de battre ces mecs-là en quart, demi et finale de grand chelem, quoi, tout simplement. Pour toi, ce qu'il a fait là sur les 3 dernières semaines, parce qu'il y a une semaine off entre Bercy et le Masters, c'est plus fort
que ce qu'il avait réussi, déjà le truc fou qu'il avait réussi lors de l'été 2019 jusqu'à la victoire à Shanghai. Je vais pas le comparer, c'est différent parce que ça rentre dans un chemin de carrière en fait. Donc ce qu'il a fait l'année dernière, c'est incomparable. Et ce qu'il a fait, je peux pas les mettre en comparaison en fait. Vraiment, c'est vraiment totalement différent. Vous partez. Ça arrive à un autre moment du chemin, donc je peux pas du tout. Vous partez en Australie? Ben, on attend les news du gouvernement en fait. Hein. D'accord. Je pense que ça dépend que de ça. Je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, je ne regarde plus. J'attends l'officialisation de quelque chose, puisque au départ, il y a eu l'idée. Parce que Tennis Australia, je pense que ce qu'ils font, c'est monumental pour permettre au tournoi avec l'ATP de pouvoir être disputé. Et ça ne dépend pas d'eux. Et vraiment, ce qu'ils font, j'imagine, ça doit être terrible pour eux. Et au dernier moment, il y a le gouvernement qui leur annonce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le pays en décembre et rentrer dans un resort pour pouvoir faire la quarantaine et s'entraîner, etc. Et ça change tout le temps. Donc là, maintenant, on n'est plus forcément dans l'attente. C'est quand est-ce qu'il va y avoir une annonce officielle de quand ça pourra se disputer? Et voilà, c'est que ça, quoi. Donc tu vas prendre un peu de repos. C'est le cas, même si j'arrive pas à me poser, c'est le cas. Mais là, on va te laisser tranquille, ouais. Gilles, tu vas pouvoir te reposer, ça y est. Merci beaucoup, Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Bah, écoutez, avec plaisir. C'était passionnant. C'était passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci. Déjà, bon repos. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, ouais, puis célèbre un peu les victoires, mais enfin, fais-nous quelque chose. Ah non, c'est super, j'adore. Non. Moi, je l'ai faite, les victoires. Merci, Gilles. Bonne soirée. Merci. Salut, à plus. Bisous. Bon, c'était tellement passionnant qu'il ne nous reste plus que 30 secondes pour le bilan de l'année. Merci à tous. Non, ils veulent tous la réponse du... Mais pas maintenant, ce sera après. Mais d'abord, du coup, il nous reste 7 minutes. Donc, on va faire nos top flops de l'année. Hein. On a quand même parlé, ce ne sera pas les enseignements. Mais bon, les enseignements, on en a un peu parlé aussi avec Gilles. Oui. Évidemment, on pense à Djoko, on pense à Rafa, mais ce sera peut-être votre joueur de l'année aussi. N'hésitez pas à participer sur le chat Winamax et sur le chat YouTube. On va commencer donc par le joueur de l'année. Pour vous, qui est le joueur de l'année? On ne va pas répondre connement par le meilleur joueur du classement, non? C'est ce que tu vas dire, toi, c'est Djokovic? Non. Moi non plus. Eh bien, dites-moi. On va pas jouer aux devinettes, il nous reste 6 minutes et on va jouer aux devinettes. Comment ça, 6 minutes? Oui. Vite alors. Eh bien, pour moi, le joueur de l'année, c'est Tim. Ah, c'est Tim, toi? Ouais, je mets Tim, parce que j'ai encore ce matin... C'est vrai que c'est la saison des clics, un peu. Hein. Premier grand chelem. Djokovic, oui, c'est lui qui a gagné le plus de points ATP. Il a plus de 6000 points ATP sur 2020, hein, parce que le classement ATP déforme totalement la réalité de 2020 en prenant aussi des points de 2019. Team, c'est sûr. Bref, Tim a gagné 600 points ATP de plus que Nadal, hein, quand même, en 2020. D'accord, il a moins joué, oui. Nadal a moins joué que Tim, d'accord, mais on ne fait pas de moyenne au classement ATP. Voilà. Et Tim a franchi des limites, a pris une dimension que je ne voyais pas franchir sur des surfaces autres que la terre battue, parce que finalement, c'est sur terre battue qu'il a été le plus discret cette année. Un petit quart de finale à Roland-Garros. Et quand même avec ridicule. Un quart, ce qui est quand même un résultat énorme pour beaucoup, mais quand on rembobine un peu le truc, il y a 2, 3, 4 ans, on n'imaginait jamais qu'il aurait pu faire une saison pareille, finaliste à l'Open d'Australie, vainqueur de l'US Open, finaliste du Masters. C'est vrai. Donc il prend vraiment une dimension, je trouve, de dingue. C'est en plus le premier joueur, on attendait ça depuis tellement longtemps, des années 90, né dans les années 90, a gagné un grand chelem. Donc ça y est, c'est vraiment lui voilà, qui a franchi des limites, qui a défoncé des portes. Il a 27 ans, il est plus si jeune que ça. Mais pour moi, c'est le joueur qui a été... En plus, il est présent vraiment du début à tous les moments de l'année. Il fait les trois grands chelems, il fait plein de choses. Il a été très régulier jusqu'au bout, alors que moi, au Master, je pensais qu'il allait être crevé. Il est finalement en finale. Donc voilà, il m'a épaté. Tu vois, sans aller sur 2021, c'est vrai qu'on se dit que Tim, à l'Open d'Australie, 2021, il va falloir aller chercher celui-là. Hein. Et à Roland, s'il n'est pas trop crevé. Il y a beaucoup de teams en joueur de l'année, évidemment. Medvedev, tu vois, ça tombe bien pour Atleti Torres. Non. Et Nadal pour Angel Max, qui dit joueur de l'année pour son 20e. Je suis, pour moi, le joueur 2020, je peux pas enlever ça. C'est Rafael Nadal qui gagne un 13e Roland-Garros. Je pense qu'on ne se rend même plus compte.
de ce que ça veut dire. C'est pour ça que je l'ai mis aussi. Tu vois, enfin, ça devient tellement dingue. 100 victoires pour 2 défaites à Roland-Garros. Il ne perd pas un set. On lui avait promis l'enfer. Il l'a transformé en paradis. Enfin, le mec Il raconte après tout ce qu'il a traversé pendant le confinement, que son physique c'était plus bon, qu'il a fallu qu'il travaille comme un dingue pour récupérer sa mobilité. Et le mec fait quand même finit par une demi-finale au Masters. Donc j'ai une stat rigolote concernant Nadal. C'est la première fois de sa vie que sur l'ensemble de l'année, il convertit plus de 50% de balles de break. C'est le meilleur dans cet exercice cette année. C'est une analyse ATP Infosys là. Et ça fait longtemps que c'est le meilleur, mais c'est la première fois que sur une saison, il convertit plus de 50%. C'est énorme de balles de break. Il a 34 ans. Il est inusable, increvable, et de le voir toujours aussi performant dans les 7 décisifs, il en a perdu un contre Medvedev, mais avant il les avait tous gagnés en 2020, de le voir aussi performant dans les 7 décisifs, sur les balles de break, c'est ébouriffant. Quoi. Après, ça bien sûr, on peut pas, on n'a pas mis Djoko, mais bon, oui, c'est vrai que Djokovic, c'est une saison paradoxale. C'est quoi. Ça, parce qu'il finit épuisé. Mais il y a aussi des couacs, des problèmes tellement dingues, des maladresses sur le vaccin, sur ses envies de jouer en 2-7, sa disqualification, enfin, il y a des trucs bizarres. Et puis une à la année fin, entre record et tort pour Novak Djokovic. Bien. J'avais titré ça, ouais, mais tu vois, je me sens frustrée. Alors après, pour le dire. Après, il y a quoi? La joueuse de l'année. Alors, la joueuse, pour moi, je vais mettre Sofia Kenin. Que je n'attendais absolument pas à ce niveau-là, qui va gagner l'Open d'Australie alors qu'on ne s'y attend pas du tout, en faisant un tournoi parfait. Elle perd 6-0, 6-0 à Rome au premier tour contre Azarenka. Tu dis, oh la pauvre, dis donc, la terre battue, c'est pas son truc. Elle a fait et exprès pour piéger tout le monde. Et elle va jusqu'en finale à Roland-Garros. La fille, elle a commencé, elle était 15e, elle finit 4e joueuse mondiale. Ce petit bout de chou d'1m70 qu'on appelle Chucky, tellement elle nous fait peur. Elle a plus peur, les filles. Si les fidèles de Sans-Filet vont s'en rappeler. Je trouve qu'elle a. Enfin, sur une saison féminine qui a été complètement guillotinée. L'Asie qui on n'a pas pu faire la fin de saison du tout, cette fille a gagné l'Open d'Australie et finale à Roland-Garros. Respect total. On aurait pu penser à Naomi Osaka aussi. Julien Pichenet, ta joueuse. Je te le fais en 10 secondes, c'est Osaka. Elle a gagné l'US Open, mais elle avait déjà gagné des grands chelems, donc c'est pas comme team la révélation, elle n'a pas franchi des limites. Mais c'est ça pour peut tout, être elle, la future patronne. C'est pour tout le côté, justement, extra-tennistique, cette dimension qu'elle a pris au moment des violences policières en août aux États-Unis. Elle ne voulait plus jouer à Cincinnati. Oui, bien sûr. C'est pas encore Billie Jean King. Il y a un rôle de leader. C'est pas encore Navratilova, elle n'est pas encore à ce niveau-là, mais il y a un effort qui est fait. Je trouve qu'elle gagne en charisme et tout ça, et pour moi, c'est la joueuse de l'année. Voilà. Révélation de l'année, ça peut être chez les hommes ou chez les femmes. Votre surprise, votre révélation, ça peut être du Hugo Gaston, ça peut être du Swiatek. La surprise, pour moi, c'est la révélation surprise, quoi. C'est Sinner, 19 ans. Je trouve que ce gamin-là m'a scié. En atteignant son premier quart de finale dans un tournoi Grand Chelem à Roland-Garros, en étant le seul à vraiment faire mal à Rafael Nadal, au moins pendant 1h15. Je l'ai trouvé dingue, il finit en gagnant Sofia. Je veux voir ce gamin, quoi. J'ai envie de revoir ce gamin. Je tease un peu pour la semaine prochaine, je vais citer un Français, moi c'est Hugo Humbert, parce que 2 tournois gagnés, parce que pas mal de victoires marquantes, Fonini à Rome, Medvedev à Hambourg, Tsitsipas à Bercy, il gagne 2 titres ATP, il gagne pas encore des 500, des 1000, il fait pas encore des 40 grands chelems, mais ça viendra peut-être, et il s'installe dans le top 30, et il est bien, il fait pas parler de lui, il a rien perdu pendant le confinement. On aurait pu citer Swiatek, évidemment. On va faire très très vite, sinon il n'y aura pas de partie de ping-pong et pas de livre à gagner. La déception de l'année, on a trop parlé, c'est pour ça. La déception de l'année ? Ouais. Alors pour qu'il y ait déception, il fallait qu'il y ait attente. C'est vrai. Voilà, et moi j'attends toujours énormément. Non, je ne mettrai pas de déception. Quoi ? Non, je ne mettrai pas de déception. Alors un coup de cœur, c'est négatif. T'as raison. C'est négatif. Coup de cœur, on finit sur le coup de cœur. Joueur, match, ce que vous voulez, C'est Hugo Gaston. Je ne peux pas enlever Hugo Gaston, c'est mon coup de cœur. Il m'a fait vibrer à Roland-Garros. Le match contre Wawrinka est complètement fou. Le match contre Thiem derrière est complètement fou. Il m'a fait kiffer, ce gamin, quoi. J'ai envie de le voir avec ses petites amorties, son bras de gaucher, sa façon de jouer qui est complètement dingue. J'espère qu'on le reverra et qu'il pourra rentrer dans les 100 premiers mondiaux, continuer comme ça, parce que ça a été dingue ce qu'il a été capable de faire.
Il y en a qui me citent le comeback de Raonic comme coup de cœur, vous avez le droit. Chacun dit son coup de cœur. Pourquoi pas ? Chacun voit midi à sa porte. Chez les filles, je mettrai Azarenka. J'ai adoré la renaissance d'Azarenka. Finaliste après avoir gagné. Ton coup de cœur, et ensuite on va s'installer pour jouer ? Toi, c'est un match. Les matchs de Nick Kyrgios sur la Margaret Court Arena. Ah, avec Nadal. Pendant l'Open d'Australie. Non, non, avant, ça c'était sur le central, mais les matchs qu'il avait fait avant, notamment contre Khachanov. Ah ouais. 7-6 au 5e, pour moi, c'est les matchs de l'année, parce que l'ambiance, parce que c'est un cours où les places sont accessibles pas trop chères, il y avait une ambiance de dingue, ambiance très populaire, et c'est là qu'on voit que tout le monde ne déteste pas. Heureusement, Nick Kyrgios, je sais qu'il y en a pas mal qui le détestent. Non, mais il y a aussi Federer Sandgren avec Federer. Ah oui. Bah, attends, c'est la seule fois où on l'a vu de l'année. En fait, on va citer plein. Et les 5 titres de Rublev, alors. Et bien sûr. Vous n'avez même pas parlé de Rublev. Mais on aurait pu dire dans les surprises. Mais parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, nous sommes frustrés, on n'a pas le temps. Heureusement qu'on revient la semaine prochaine la réponse. À la meilleure. Alors, mais oui, la réponse, c'était Rublev. C'était Rublev. Ben oui, 41 matchs. Et pour gagner le deuxième bouquin ? Ben, on joue ping-pong. Ah d'accord. Et ouais, point d'exclamation quiz, c'est parti. Qui a gagné alors ? Point d'exclamation quiz, on va faire gagner de l'argent et un livre. Mais donc c'était bien les loulous avec Gilles. Oui, c'était bien, Gilles, hein. Mais on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Le match va se dérouler en 3 points. Allez. Parce qu'il y a une grosse, grosse émission juste après. Allez, c'est parti. Non, s'il était 1-0 Benoît, 1-0 Benoît. C'est pas vrai, putain. 2-0 Benoît, ça va aller très vite. Je vais pas perdre contre Spignouf. Je perds contre Spignouf. Voilà, 3-0. C'est pas possible. Donc, ça sera 15 € pour la team Benoît, plus le livre. Voilà, pour vous. Bon, les amis, désolé, c'était un petit peu rapide sur la fin. Ne vous inquiétez pas, non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, mais on n'a pas le TGV. Oui. La semaine prochaine, à 19 h, on se retrouve pour parler des Français. On prendra bien le temps de parler des Français, je vous le promets. Ne quittez surtout pas Winamax. Il y a le Winamax Football Club spécial Diego Maradona à suivre. Donc restez bien sur Winamax. On vous embrasse très fort. Merci à tous. On vous dit à la semaine prochaine, 19 h. Prenez soin de vous. Ciao.